Bonjour, c'est Grégory. Aujourd'hui, je vous propose une recette originale pour manger des lentilles, un houmos de lentilles. Pour ça, nous avons besoin de lentilles, de yaourt, de jus de citron jaune, d'huile de sésame et de gousse d'ail. On va commencer par cuire les lentilles. Pour ça, rien de plus simple, on met les lentilles dans une casserole et on rajoute de l'eau. Alors, très important pour les légumineuses telles que les lentilles, c'est toujours départ eau froide. Pendant ce temps, on va s'occuper du jus de citron. On va peler notre ail. Comme on va le hacher cru, on pense bien à retirer le germe. On va le hacher grossièrement. Voilà, au bout d'une trentaine de minutes, nos lentilles sont cuites. On va les égoutter. Puis maintenant, on va pouvoir les mixer avec l'ail. Donc le but, c'est d'obtenir une pâte. Je vais rajouter un peu d'huile de sésame pour lisser un peu tout ça. Maintenant que l'huile de sésame est incorporée, je vais rajouter du jus de citron jaune. Voilà. Maintenant, on a une pâte. On va la passer au chinois pour enlever les petites peaux qui seraient pas très agréables au palais. C'est terminé. Il reste plus qu'à lier avec une jolie cuillère de yaourt. On va transvaser dans un bol et puis ce sera prêt. Voilà. Donc il faut que ce soit suffisamment épais pour qu'on puisse le tartiner sur des petits croutons ou alors le manger avec des graissins. Pour ce houmos aux lentilles, il nous faut des lentilles, de l'huile de sésame, du jus de citron, de l'ail et du yaourt. Pour retrouver des recettes à base de lentilles, rendez-vous sur Disney Channel chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. À bientôt !